Salut, salut! Ouais, je sais, ça fait longtemps. Mais bon, en ce moment, j'avais plein de trucs à faire et tout. Et là, je reviens avec une petite vidéo coiffure. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo où je posais une lace. Mais bon, j'aime bien la coiffure. Donc là, juste pour annoncer mon petit retour, je reviens avec une vidéo lace. Comment poser sa lace? Enfin, après, je l'ai posée vraiment en mode vite fait avec la got to be et tout. Vraiment pour pouvoir l'enlever le soir, tout ça. De toute façon, je vous dirai tous les détails. À part ça, mes mèches viennent de chez Sowig. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, à première vue, je trouve que c'est une très très bonne qualité. Même la qualité du service, tout ça, impeccable et tout. Après, ça, c'est du 22 pouces. Ouais, c'est du 22 pouces, je trouve ça assez long quand même. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous laisse regarder cette vidéo et vous me direz à la fin si vous avez aimé. Le Brix. Donc voilà, on se retrouve dans la partie coiffure. Ouais, je sais, franchement, j'ai fait plein de tutos lace frontal, mais je sais pas, j'aime tellement coiffé. Voilà, du coup, après avoir fait mon mélange, je vais poser sur la lace. Par contre, appuyez pas trop pour pas que ça transperce la tulle. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. J'ai tellement voulu bien faire que je l'ai raté. Et en gros, après, j'ai pris un chiffon et j'ai nettoyé. Voilà, du coup, j'ai filmé hors caméra parce que sinon, j'allais pas réussir à découper la tulle. Mais un conseil, découpez-la en zigzag pour faire plus naturel. Moi là, je l'avais pas fait, mais vous faites-le, ça fera beaucoup plus naturel. Ensuite, pour une perruque sur mesure, découpez bien la tulle au niveau de vos oreilles. Du coup, moi, j'ai pas encore actualisé, je suis encore avec ma got to be. J'ai pas encore testé la colle waterproof. Mais après, ce que j'aime bien avec la got to be, c'est que juste pour la journée, en fait, je colle ma lace et le soir, je peux l'enlever tranquillement. Et je dors tellement paisiblement, tête nue, tout ça, sans perruque, c'est parfait. Et du coup, comme d'habitude, je ne customise jamais mes laces. Parce que quand vous enlevez trop de cheveux, moi, je considère que, enfin, j'ai remarqué que mes laces se sniquaient plus vite. Après, ça dépend desquelles, parce que quand tu reçois les perruques de chez AliExpress, elles sont trop, trop, trop fournies. Genre, c'est des blocs d'iceberg, tu peux pas porter ça comme ça. Et genre là, je suis en train de regarder ma vidéo, je me dis putain, mais j'ai un gros nez. Et au final, bah j'aime bien. Genre, s'il fallait refaire un truc sur mon corps, j'aurais pas dit mon nez. Or qu'avec quelques années, j'aurais dit mon nez, tout ça. Bon là, je suis hors sujet, mais il fallait que je dise ça. Je sais pas, ça me tue de ouf. Vous savez pas, vous, en primaire, je me suis tellement fait tailler. Ouais, ton nez, on dirait un aspirateur, tout ça, nanana. Mais au final, j'aime bien mon nez, je trouve qu'il est bien formé. Il est gros, mais il a une bonne forme. Vous en dites quoi? Et vous aussi, vous avez des gros nez ou pas? Des phrases en mode ouais, arrête de respirer, tu vas aspirer tout l'oxygène, tout ça. Voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et un contenu bien plus intéressant. Le Brix.